Hey, salut tout le monde, c'est Superboy, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Et donc comme vous avez pu voir au titre, et bien aujourd'hui je vais vous présenter donc comment avoir la tenue donc de Mastodonte. Alors tout simplement vous allez avoir besoin de 3 ennemis, alors oui ça fait un peu beaucoup mais il va falloir quand même besoin de 3 ennemis. Ensuite vous allez lancer l'activité cuirassé, alors n'importe laquelle. Alors soit vous faites inviter par un ami à vous, ou alors soit vous les relancez par vous-même et vous les invitez. Alors je remercie les abonnés qui étaient avec moi pour la vidéo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bel et bien spawné avec la tenue de Mastodonte. Donc c'est parti, vous mettez prêt et bah il suffit d'attendre maintenant que tout le monde soit prêt pour pouvoir lancer. Donc voilà, donc là ça y est, une fois que vous êtes dans l'activité, et ben en fait ça va être comme le glitch pour la tenue des boueurs et des policiers. Vous touchez à rien, vous ouvrez votre menu d'interaction, vous faites style et vous faites visière baissée et visière relevée, donc droite gauche, droite gauche, droite gauche, droite gauche, pendant environ une vingtaine de secondes. Donc une fois que vous avez fait ça, et ben ensuite c'est super simple, c'est comme pour le glitch, exactement pareil. Vous aurez juste à attendre de vous faire exclure de la session. Donc vous ne touchez plus à votre manette, vous la posez et vous attendez de vous faire exclure tout simplement. Hop là, donc là c'est pareil, normalement vous entendez un petit bip. Donc vous allez entendre quelques bips sonores comme quoi ça va vous dire si vous allez vous faire exclure. Donc là ça y est, je me suis fait exclure de la session, donc ça m'a fait un petit message d'alerte pour me dire que j'ai été exclu pour cause d'inactivité. Et donc si tout se passe bien normalement, quand vous allez respawn dans une session en ligne, et bien comme pour tous les autres glitchs de policiers et de tenues des boueurs, et bien vous allez respawn avec la tenue de Mastodonte. Et donc voilà, donc là j'ai spawn, et donc comme vous pouvez voir j'ai bel et bien spawn avec la tenue de Mastodonte. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de glitch vous aura plu. Donc je remercie encore une nouvelle fois les abonnés qui m'auront aidé. Donc alors si je me souviens bien, c'est Headshot, Volt et donc Strange. Donc un grand merci à vous les gars, à mon avis vous regardez la vidéo. Donc voilà, allez, ciao tout le monde.